Ce soleil, il est 10h15. Nous sommes donc... Je sais plus. Quand est-ce qu'on est ? Jeudi. Nous sommes donc jeudi. Je viens de déposer Eric au lycée. Je vais faire un coucou rapidement chez ma maman. Et après, je passe faire quelques courses. Pas le choix. Même pour Jack. Je rentre et puis on passe la journée ensemble. On est presque sur un temps de montagne. Vous savez, avec ce petit soleil là. Bon, la neige est en train de fondre. Il faut que je vous nettoie. L'objectif était pas ouf. Je suis terrible. Je vais repartir chercher Rico au lycée. Non, mon Jackie, maman, elle repart, elle revient. T'inquiète pas. Oui, j'ai acheté de la bonne pâtée. Il est 13h. J'ai speedé parce que là, je suis retournée chercher tout à l'heure Eric. Au lycée, parce qu'il reprenait, là il vient de partir. Je vous montre rapidement hein, le butin. Soupe à fond, la caisse, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est bonne. Enfin, elle est bonne. Elle est bonne gustativement, je trouve. Ça, petit pois, légumes verts aussi, très bon. Et j'ai recraqué de temps en temps, je les adore sur les forêts noires, j'y trouve tellement réussi. Tablette pavlova framboise. Franchement, si vous avez l'occasion, testez, regardez à l'intérieur. Le petit cœur coulant. Ça, c'est pour le café, le rond du café. C'est réconfortant. Pour le midi, pois cassé à la paysanne. Des lentilles. Du basmati complet. Des petites patates grenailles. J'ai repris son Sanex prébiotique. Mon démaquillant micellaire. Je connais pas celui-là, base de vitamine C. Bon, on verra bien. Et mes petites galettes de sarrasin. Voilà. Et je vous ai pas montré aussi. J'ai pris ça, en fait. C'était Félix Chaud. Donc en fait, tu avais 13 sachets offerts. Parce que moi, je lui donne de la pâtée très très rarement. Genre une fois par semaine. Ça lui apporte quand même de l'eau. Mais c'est vu avec la veto. Et je crois que dedans, il y avait un petit cadeau. Une balle maracas pour votre chat. Je sais pas où il est. Mais je suis persuadée que là, je vais l'ouvrir. Il va descendre comme un taré. Je vais lui donner sa petite pâtée. Il va être trop content. 44, il y a 44 filets là-dedans, enfin sachets, 12 euros. Où est le cadeau? Ah, je l'ai vu. Le petit cadeau. Ah, c'est le petit cadeau. Ah, ok. Ah oui, tu mets la petite croquette dedans. Le truc est quand même grand, là. Allez, on va lui faire ça, il va être tout content. On va faire un test. Je pense qu'il est là-haut, il est au soleil. Donc, si il descend, ce sera forcément là, à toute berzingue. Je vais juste ouvrir ça et on va voir si ça fonctionne. Je vous dis, il a des antennes ce chat, c'est pas possible. Ah merde. Oh. C'est une blague? Non mais Jack, c'est un bouffe-tout, il te mange tout, il te mange même le papier. Il veut pas le manger le pâté. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi le... Mais qu'est-ce qu'il y a? Non mais là j'hallucine, vraiment, vraiment. Jack se jette sur tout, et là pourquoi? Je renvoie la nana, elle me dit, vous allez voir, les chats raffolent de Félix, ils sont tous sous. Il y a même une dame à la caisse qui me dit, oui, je confirme, moi aussi, ils se jettent dessus. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dis, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le paquet que j'ai donné? Des tendres filets. C'est à quoi? Au bœuf. Bah alors, j'ai très envie de leur redonner, mais enfin, il est ouvert le machin. Je ne sais pas comment justifier. Ça le rend dingue, il est frustré. Bah vous savez quoi, pour moi c'est pas normal du tout. Pas normal du tout. Il y a un problème, soit c'est avarié, soit il y a un truc qui va pas. Je vais leur ramener, hein. Je vais le signaler, c'est pas possible. On va tester avec un autre. Hein. J'ai même pas eu le temps, non, bah toujours pas. Hein. Attends, tu m'as même pas laissé le temps de l'écraser mon bio. J'essaye de voir là où c'est le plus lumineux. Oui, donc j'ai dû vous laisser tout à l'heure parce que j'ai eu un appel pro. Et après, j'ai enchaîné avec tout ce que j'avais à faire, notamment la comptabilité, l'URSSAF, tout ça. Vous savez, ce genre de truc où tu te dis avant de commencer, oh, ça va être chiant. Et quand c'est fait, waouh, c'est cool. Et ben, j'en suis là, je suis trop contente. J'ai hyper bien avancé. Pour en revenir quand même à Jack, donc vous avez vu, la deuxième fournée, c'était pas probant. Il l'a mangé, mais en 20 minutes, une demi-heure, alors qu'en temps normal, il l'aurait dézingué en 1h30. Je lui donnerai plus,
Par contre, j'ai prévu demain matin, parce que là, Eric est reparti, il est revenu, mais il avait un conseil de discipline, il doit être 18h. Il a pris ma voiture. Donc demain matin, je vais retourner là où je les ai achetés. C'est comme une animalerie. Je vais leur signaler, je vais leur montrer. Et puis voilà, histoire qu'ils soient informés. Je m'attends à rien. Hein. Je vais acheter moi-même les pâtés que j'avais initialement choisis, pâtés haut de gamme. Valeur sûre. Et là, je suis persuadée qu'il va... De toute façon, je ferai le test. On fera le test demain. Voilà, en direct. T'auras le droit à une nouvelle pâtée, mon Jackie. Ouais, parce qu'il est là depuis toute l'après-midi, il est resté avec moi, petit loup, petit père. Il m'a aidé beaucoup au niveau de la compta, donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, donc là, je vais éteindre tout ça, enfin l'ordi, l'écran, et je vais me poser. C'est vrai que t'as aidé ta mère à la compta. Tu aimes bien les chiffres, hein? Tu comptes tes croquettes aussi? Oh, ça se recouche. Eric vient de rentrer du conseil. Il est 19h30 et il nous a ramené des pizzas. C'est quoi? Ah, ça c'est du pain pour demain matin. Elles sont bonnes, leurs pizzas. Alors c'est quoi ces pizzas? Ça, ça a l'air d'être classique, classique. Et ça, est-ce que c'est la même? Ah non! Ça c'est plus merguez, j'ai l'impression. Bon, ben voilà. Hein. On va se régaler, puis c'est tout. Hein. Oui, ça a été? Oui. Ouais, bon. Enfin, c'est un conseil de discipline, c'est un conseil de discipline. Oui, c'est sûr. C'est éprouvant pour tout le monde, en réalité. Oui, je sais bien. C'est un moment particulier qui est très très dur. Très très dur. Il va baisser d'un ton celui-ci. Bonjour, c'est le lendemain matin. Tiens d'ailleurs, le menuisier vient tout à l'heure, je vous explique. Non, par contre, tu vas être gentil. Hein. Attends, attends. Mais ça va pas, non? Ça va? Ça se passe bien dans ta vie? Ça va sinon? Voilà, quand je vous dis qu'il bouffe tout. Arrête, arrête. Je vais t'acheter tes pâtés ce matin, justement. Bon, et on va pas se fâcher le matin, quand même. Mais il pousse, il tire. Donne-moi ça. C'est du pain complet. Allez. Oui, donc je vais déposer Eric au lycée, puis après, je vais aller lui chercher ses petits pâtés. 10h moins le quart. J'emmène Eric au lycée. Je suis embêtée ce matin. J'ai mal. Là, à ma hernie, ça ressort, je le vois en plus. Et je suis persuadée, ça me saoule un petit peu quand même, que c'est suite à ma reprise de sport. D'activité, quoi. En plus, je fais rien de fou et ça fait 3-4 jours que je ne l'ai pas fait. Mais comme le squelette, bah forcément, il est en mouvement, il bouge, je dois être hyper sensible. Et ça ira dit dans le dos, hier soir j'avais super mal là et là c'est ce matin. On voit là le cartilage, il faut que je fasse des exercices que mon ostéo m'avait donné en cas de crise. En fait, il ne faut pas hésiter, ça fait mal. Hein. Il faut abaisser son diaphragme comme ça, en s'asseyant. Et j'avoue que ça fonctionne. Mais ça me saoule pour la suite. De savoir qu'il va falloir que j'y aille encore plus soft au niveau des exercices. T'es prêt? Pardon? Tu es prêt? Il est moins le quart. Oui, mais je suis ok. Prêt. Donc voilà, ça, je vais leur montrer et on va voir. Mais il faut le signaler. Mais oui, non mais c'est même pas la peine mon chéri, rappelle-toi. Tu les aimes pas ceux-là. Tu préfères voler la tartine de ta mère. Quoi d'autre? Non, tout est là, c'est bon. Je viens de déposer Eric. Je suis devant le magasin pour Jack. Donc j'ai apporté le pack, peut-être parce qu'il y a une référence, si elle veut noter un truc. Et puis on va voir. Oh, j'ai plus de batterie, donc je me dépêche. Vous voyez, c'était là la montagne. Et j'ai pas pu filmer, il y avait de la musique. C'était une autre, c'était pas la même qu'hier, la vendeuse. Je lui ai expliqué, ouais, elle comprenait pas, elle m'a dit non, j'ai jamais eu ça, mais c'est vrai que c'est étonnant. Donc elle va faire remonter l'info, je lui ai pris 3 nouveaux pâtés qu'on va tester en rentrant. Voir s'il y a plus d'engouement, je pense que oui. J'ai l'impression que j'ai mis de l'essence, il y a peut-être... Ah ouais, mais comme on a pas mal roulé entre les sables et tout, c'est vrai que ça va vite. C'est fabuleux, hein, ce cache-oreille plus le manteau, c'est top. Vous restez avec nous, on va suivre aussi la passation de pouvoir au ministère de l'Éducation nationale. Quand même meilleur à la maison. Bon bah je vais faire le test. Je vais le mettre devant la porte, je vais fermer parce que je veux pas qu'il m'identifie à la dame qui donne à manger tout ça, je vous avais déjà expliqué. Et puis on va voir sa réaction. Allez petit billou. Comment? J'ai pris 2 comme ça pour voir. Elle m'a conseillé aussi ça. Enfin cette marque est pas mal. Allez, faites entrer le fauve. C'est évident, ça parle tout seul. Allez, régale-toi mon biou. Bon bah voilà, l'affaire est réglée. Je ne prendrai plus de Félix. Et puis c'est tout. Ouais. Ouais.
j'allais oublier. J'allais oublier Eric. Il est 11h58, je vais aller le chercher au lycée. Ça lui gagne du temps. J'étais en plein montage, moi. Et j'ai, vous l'avez peut-être vu avant, j'ai rangé, j'ai fait un peu de ménage en bas. Donc c'est cool. Bon, ça y est, j'y suis impeccable, je suis pas du tout à la bourre. Vous allez vous dire, mais pourquoi il prend pas sa voiture, il prend plus sa voiture? Parce qu'en fait, elle a un certain âge, elle commence à montrer des signes de faiblesse. Et on a l'impression qu'elle est de moins en moins fiable, donc on prend pas le risque. Bon, bah écoutez, je vous reprends quelque peu quand même en colère. J'attends là le menuisier, le pauvre, il est pour rien, il est 15h, il devrait peut-être pas tarder. Je vous explique d'ailleurs ce qu'on compte faire. Je viens de recevoir, j'ai été voir le courrier, j'ai reçu ma facture Colissimo pour les box. Est-ce que vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais fait une réclamation en septembre, parce qu'il m'avait facturé, alors pas sur toutes les box, mais quand même sur un petit peu de box, 46 box quand même, 46 box, où il m'avait surtaxé, ils avaient dit que mes box pesaient plus de 500 grammes, faux, on avait testé, et certaines box faisaient 4,1 kg, s'il te plaît, mais même 4,1 kg, non mais c'est quoi ces conneries? J'avais fait la réclamation par téléphone, par lettre, par mail, rien, aucun retour. Mais je m'étais dit, ça va être normalement crédité sur une de mes prochaines factures, donc en novembre, rien. Et en décembre, là, que je viens de recevoir, que dalle. Par contre, j'ai une belle augmentation, alors que c'est en janvier, hein, l'augmentation, tout ça, c'est en janvier. Je sais que la taxe pétrole, c'est tous les mois qu'il y a des ajustements. Bah, alors, ma facture est de 2000 euros pour décembre. Donc imaginez, en janvier, avec la grosse augmentation, je vais être à 2500. Donc tous les mois, je vais donner entre 2000 et 2500 euros à Colissimo sans être considéré. En plus, ils te volent. Ah, je suis, mais vous imaginez pas à quel point. Enfin, merde. Moi, je veux bien payer sans problème. Donc, en fait, là, je crée dans l'emploi dans ma ville. Hein. 2500 euros, j'estime que je crée quand même l'emploi. Un petit peu, quand même. Et non, en fait, ils te considèrent pas, ils ne te répondent pas. Le truc, c'est que je vois pas de concurrent parce que Mondial Relais, c'est pas possible. C'est pas fiable. J'ai testé, donc non. Donc je vois pas. Et après, les trucs privés, ça va être aussi hors de prix. Il y a le menu aussi qui est là. Je crois que c'est lui. Ouais. Alors, j'ai un gros problème. Mon compagnon est parti avec les deux clés de la maison. Ah d'accord, vous êtes enfermé. Ouais. Ça vous dit de passer par là? Bon, est-ce que j'ai honte? J'ai eu vraiment honte. Bon, il était cool. Je l'ai fait passer, vous avez vu, par la fenêtre. Parce qu'Eric, qui est là, qui est revenu entre-temps, s'était barré avec les deux trousseaux de clés. Ça va quand même, hein? C'est pas sérieux cette histoire. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben, on va bosser ensemble. D'ici un bon mois, les travaux vont être faits. Je vous explique rapidement ce qui va se faire. T'es en week-end, en fait? T'es content? Ouais. Ça n'empêche pas que je suis toujours en colère. Hein. Je suis pas redescendue quand même. Donc là, bon, bah, je vous remets pas avec ce que je t'ai dit, la facture Colissimo. Ah, mais rien à voir avec moi. Mais non. Donc là, il y aura une plaque. Une plaque, enfin, comment ça s'appelle? C'est pas une plaque. Des jolies petites moulures blanches. Pareil pour là, avec des petites moulures. Et super idée, on va ranger un range-bouteille ici tout le long. On va pouvoir en mettre peut-être 16, puisqu'elles sont toujours en train de traîner là par terre. Et bah, le volet en plus. Voilà, ça, c'est les projets. Et ça fait plaisir. T'es content, toi, hein? Oui, elle était bonne la pâtée. 15h38, il faut que je termine ce vlog, le montage et tout, donc je vais arrêter maintenant. Non. C'est le week-end, donc on se retrouve lundi. Voilà. Je vais essayer de redescendre quand même.